commencement du XXe siècle, Paul Valéry s'est retiré de l'actualité littéraire, mais son nom demeure attaché à celui d'un écrivain prestigieux. S'il est satisfait d'avoir enfin quitté son poste de rédacteur au ministère de la Guerre, ses fonctions de secrétaire particulier auprès de l'ancien directeur de l'agence Havas, Édouard Lebey, l'accaparent beaucoup sans lui assurer une véritable aisance. Père et mari heureux, il ne cesse également, jusqu'à la Première Guerre, d'être inquiet de la santé de son épouse Janie, atteinte d'une maladie chronique. En sa compagnie, Valéry est un témoin attentif de l'actualité du monde artistique, visitant aussi bien les galeries d'art que le Salon des Indépendants et le Salon d'Automne. Il arrive que le monde de la littérature le rattrape, quand Albert Thibaudet l'interroge en 1911 pour un essai sur la poésie de Mallarmé. Mais le seul travail littéraire qu'il poursuive sans relâche est celui des cahiers, écrits durant les heures du matin. Plus tard, en 1928, il précisera dans les cahiers, sous le titre « Les mémoires de moi », j'ai travaillé à ma façon à un travail sans nom et sans objet de 1892 à 1912 et après non exclusivement, sans encouragement aucun, sans fin, sans œuvre visée, sans autre objet que de faire ma vision parfaitement accordée avec mes vraies questions, mes vraies forces. En 1912, une proposition émanant de Gide et de Gallimard représente toutefois un tournant décisif. Au volume destiné à réunir ses œuvres qui doit paraître à la NRF, Valéry souhaite ajouter un poème nouveau. Reprise et amplifiée, ces vers marqueront en 1917 son retour à la poésie sous le titre de La Jeune Parque.